Valerio te profite aborde un problème que en pile nous dans diaspora n'a confronté. C'est problème passeport. Ces jours-ci, moun pa ka joine passeport. Et c'est pas seulement bo ici qui gen problème passeport, hein? Eh bien, gen problème ça tout Saint-Domingue, dans Santiago côté que haïtien justement, eh bien, yo besoin passeport pour faire pièce d'identité yo parce que avant juin arriver là, si yo pa gen passeport ou ka faire pièce d'identité yo pral gen en pile problème dans pays Dominicani. Ministre là, te répond à question ça, comment le wèli et comment yo pral jwenn nou solution, comment nou pral faire pour nous gagner une pièce qui est aussi important qui c'est passeport haïtien ça. C'est pas seulement Saint-Domingue, ici tout haïtien gen problème, yo pa ka jwenn passeport tout pour aller dans pays yo. Mes amis, son grave problème que lié. Et qui ça que n'a dit? N'a dit que mes amis, li leur pour moun yo ta jwenn une solution à problème passeport ça. Parce que si on pas joué une solution ça pour haïtiens qui vivent justement dans Saint-Domingue particulièrement Santiago, nous pral wè côté que Valerio te fait une visite, l'a allé Santiago et il était allé dans consulat haïtien, il te fait faire un tour, il te profiter tout parler avec représentant yo andan pour te parler avec eux de problème passeport parce que te gen plusieurs moun, il te parlé à plusieurs moun qui était là, qui t'attend, qui t'a essayé faire passeport yo et moun yo très frustré. Parce que son pièce d'identité qui est très important pour mon gen passeport, elle pas capable de joindre. Et yo dit que son affaire de 6 mois pour mon obligé tan. Et gon problème en Dominicanie actuellement pour mon qui pas gen pièce d'identification yo, à partir de juin, yo pral expulser combien d'haïtiens de Dominicanie. C'est l'image au consulat de Santiago où il y a beaucoup d'Haïtiens qui viennent à ce consulat. Et voici avec nous une gentille jolie demoiselle. C'est mademoiselle Joanne Télisma. Télisma, oui. Tu travailles ici au consulat? Oui, je travaille au consulat. Je travaille dans la section des passeports. D'accord. Très bien. Et elle va nous faire un petit tour du consulat haïtien à Santiago. C'est le consulat qui nous fait très fiers parce que d'abord, on nous dit que le building appartient au consulat lui-même. C'est la propriété de l'État haïtien. Bon, oui. Très bien. Okay, on y va pour le tour. D'accord. D'accord. Alors, on va nous suivre. Ici. Ici, c'est la réception. On a en face de nous la caisse. La caisse, c'est là. Et à la caisse, on fait quoi? Les gens viennent pour payer leur passeport? Oui. Les gens paient pour leur passeport, leur acte de naissance et tous les documents qu'ils veulent avoir. Bon, les documents nécessaires. Pendant qu'on est là, est-ce que le passeport, il coûte cher? C'est combien qu'on fait un passeport ici à Santiago? Non, pas vraiment. 70$ pour les gens qui veulent renouveler leur passeport et 80$ pour les personnes qui veulent avoir leur passeport pour la première fois. Pas mal. Son dit c'est américain, évidemment. Oui. D'accord, on continue. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est la réception. Bonsoir, la réception, on reçoit les gens, ils sont bien reçus. Hein? Bien reçus, oui. Là maintenant, il y a M. Maniga et puis Madame qui est là. Ils sont en train, comme il y a eu beaucoup de personnes aujourd'hui, on voulait les recevoir et puis on ne voulait pas que les personnes soient dépatientées. Donc, on a mis M. Maniga et Mme Samantha pour nous donner un coup de main de la section des passeports. Pour faire aller plus vite. Oui. À peu près combien de gens ce qu'on reçoit journellement? On peut recevoir 150 personnes par jour. Par jour? Oui. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire d'habitude? Pour aujourd'hui. Ils voulaient, bon, la majorité du temps, les gens viennent pour avoir leur passeport, surtout les personnes qui n'avaient pas de passeport. Ça, c'est bien, donc on remarque que les Haïtiens en Dominicanie ils veulent avoir le passeport, ils veulent être documentés. Le papier, oui, ils veulent être documentés. On a la salle d'attente, on reçoit les gens. On a mis une télévision pour eux, pour qu'ils puissent se distraire en attendant le service, pour qu'ils ne se dépatientent pas trop. C'est bien ça. Et là, on voit que c'est par les numéros qu'ils font. Ça, c'est par le numéro. C'est très moderne. Oui, très moderne. À chaque numéro, à chaque personne, on pèse ici et puis on fait au suivant. D'accord. C'est très bien. D'accord. Et puis là, c'est la section des passeports. On s'assied là et puis on remplit les documents. Et puis les gens qui sont là, on prend les informations nécessaires et tout. Très bien. D'accord. Donc vous pouvez me suivre pour continuer la visite. Et puis là, on passe une porte sécurisée. Ça, c'est pour sécuriser le consulat. Et puis là, vous pouvez passer. Oui, certainement. D'accord. Ici, c'est le salon diplomatique. C'est là qu'on reçoit les gens, les hauts cadres. Et puis ici, c'est le local de l'état civil. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là, l'état civil? Les actes de naissance,
les mariages aussi. Et puis on a une petite réception, pardon, c'est une petite porte qui est à la cafétéria, la cafétéria, là, manger. D'accord. Très joli, très typique. On voit aussi, il faut remarquer quelque chose, hein, tu vas regarder avec nous. On se met de ce côté pour remarquer l'aspect très, très typique et très culturel. Oui. Les arts, les pièces d'art sont carrément d'Haïti. On a le wamba beaucoup. Ça, la culture haïtienne. On a le wamba beaucoup. On a du café et puis des petites pièces. Pièces d'artiste haïtien. Oui. D'accord. Là, maintenant, on va visiter le local où on célèbre les mariages. C'est pas vrai. Donc, on a un local où on fait la célébration des mariages pour les gens qui viennent se marier. Oui. Ça, c'est bien. Donc, c'est fait et fourni, en fait, Joanne. Oui. Donc, mon avis là, il vient faire papier, il est tout marié là. Oui. Donc, on suit là tout marié, mon oui. Ah bon, et c'est qui est le prêtre? On a un prêtre ou un pasteur qui vient? On a une personne qui est en charge de l'état civil, un officier d'accord. qui célèbre. Voici le local. Ça, c'est bien. Donc, derrière là, en plein air, mariage en plein air au consulat d'Haïti à Santiago. Là, c'est là qu'on célèbre les mariages. Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui viennent d'habitude se servir? Beaucoup de gens. Donc, après, il y a 5 000 là qui mariaient. Il y a une belle grade de mariage là, M. Avini, et puis Delphine. Oui, ils ont marié, ils ont célébré pour eux, ils ont bâillé un gâteau, champagne. Au frais du consulat. Au frais du consulat. C'est pas vrai. Oui. Ça, c'est bien. Ok, donc on va retourner à l'intérieur, mais c'est bien à l'extérieur. Ce qui est à noter, je le dis encore une deuxième fois, n'est-ce pas, Joanne? Oui. Le building appartient au consulat d'Haïti à Santiago. Bon. C'est ce que nous a dit le chef de poste. Oui. D'accord. On va à l'étage maintenant. À l'étage, je trouve. On dit le personnel autorisé, mais on est autorisé, nous autres, pas vrai, de la presse. Oui. Et puis les hauts placés qui se trouvent à l'étage. D'accord. On peut voir un petit peu ce qu'il y a. Oui, mais oui, sans problème. Je veux dire qu'il faut noter la boiserie qui a été faite ici, et puis les murs, ici au consulat d'Haïti à Santiago, les murs sont vraiment bien décorés. Il y a une pièce artistique aussi qui fait référence à notre culture, bien sûr. On est très branché culture haïtienne ici, c'est bien. Et puis là, c'est les gentilles jolies demoiselles qui nous reçoivent aussi. Oui, ce sont les secrétaires. Et bon, elles sont en charge et des différents consuls qui se trouvent au consulat et du chef de mission. Très bien. Général. Bonsoir mesdames. Et puis on peut voir, il nous a dit qu'on peut voir quand même ses offices. S'ils ne sont pas occupés, on va voir. Ils ne sont pas à l'intérieur. Mais ça va, on peut voir, on peut montrer ce qu'ils font. On montre à tout le monde ce qu'ils font là. Bon. Là, c'est le bureau du chef de mission. La porte est ouverte, c'est bien. Ils n'ont pas fermé. Le bureau du chef de mission, c'est là qu'on nous a reçus. Il faut dire qu'ils nous ont reçus de façon très cordiale, avec beaucoup d'hospitalité. On était assis, on a parlé aux différents consuls, enfin aux différents responsables. Et le chef de mission lui-même nous a entretenus, ainsi que fermé. On a parlé de la situation des Haïtiens ici à Santiago. Ça a été bien. On remercie le consulat d'Haïti à Santiago. On est très fiers, nous autres, de la diaspora de ce consulat qui nous fait plaisir, qui nous fait honneur. Et merci aussi à Joanne. Merci aussi. Avec plaisir. Merci. Donc là, pour ceux-là qui regardent, qui sont peut-être à l'étranger, qui ont des parents, il y a beaucoup d'Haïtiens. Donc, puis l'Haïtien qui est petit, tu as étudié à Santiago. J'étudie aussi. C'est pas vrai, donc tu es aussi étudiant. Après, oui, je suis aussi étudiante. Il y a plusieurs employés, d'autres employés qui sont des étudiants aussi. On va à l'école, on va à l'université après le travail. Donc, tu peux finir la question. C'est bien, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents qui peuvent être s'inquiètent? Petitement, petit de Santiago, le qui j'en lié, Gapil Boué, Haïtien, maltraité Haïtien dans Santiago. Ils s'inquiètent un petit peu, ses parents. Ils ne savent pas comment se trouvent les enfants. Toi, tu es une étudiante, bien placée, d'ailleurs, au consulat aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents pour les rassurer, peut-être? Bon, c'est normal. Ça arrive. Du moment que tu n'es pas sur terre mère, que tu ne vis pas dans ta terre, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'insécurité. Mais la majorité du temps, bon, moi-même, ce que je conseillerais à ces parents-là, qu'ils fassent confiance à leur enfant. Et puis, je ne sais pas. Ils le supervisent à distance. Ils le supervisent à distance. Ils le supportent. Économiquement, financièrement. Oui, économiquement et financièrement. Et en plus, n'oubliez pas qu'on ne vit pas en terre mère. Dans tous les pays, ce n'est pas seulement avec les Haïtiens, c'est avec tout le monde. Du moment que tu ne vis pas dans ta terre natale, il y a beaucoup de difficultés à rencontrer. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Sur ces notes, on termine. On dit merci aussi à Joanne Tellus. De rien, ça a été un plaisir. Un vrai plaisir. Mais oui, on vous attend bientôt. Certainement, on va revenir. D'accord. Merci beaucoup. Yes.